drum till you hear it go. Si on aime le foot, c'est pour vivre passionnément ce genre de moment, pour se laisser emporter par nos émotions. Rendez-vous dans un instant. Qui va sortir gagnant de ce choc? On va voir ça tout de suite. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver, même si c'est sous la pluie, vous le voyez. Attention donc au contrôle de balle et aux appuis. Quelle chance vous avez! Oui, Omar et Benji, la team Dada qui vous fait vivre les plus grandes aventures. Et on est heureux de retrouver le football belge et ce match de Pro League, Anderlecht contre le Cercle Brugge. Le football ne s'arrête jamais, et nous non plus. J'ai hâte. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Voilà la compo officielle. Une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Et voici donc le 11 qui va démarrer. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Oui, il y a la place pour un bon centre. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Ouais, facile, ça passe. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Ouais, très bonne intervention là. Pour la frappe. Celui qui fait beaucoup de bien au mental. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Leur coach a de bonnes raisons d'être agacé, mais la priorité pour l'instant, c'est de trouver des solutions. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Il faut centrer là-dessus. Et l'équipe retrouve la possession. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Et dommage, c'était une belle passe. L'arbitre a vu le hors-jeu, là. La sensation de danger était présente dans cette action. La passe était prometteuse, mais la course était précipitée. Oui, c'est bien fait. Et le gardien était bien vigilant.
Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Très bonne cette passe dans l'intervalle. Bien défendu dans sa propre surface. Et on passe par le côté. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et c'est au fond, voilà le but. Une égalisation, une belle manière pour relancer ce match. Oui, égalisé juste avant la mi-temps. Ça brouille un peu les pistes et ça permet de rentrer au vestiaire dans une très bonne disposition d'esprit. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Nous jouerons donc une minute de temps additionnel. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Bonne intervention du gardien. C'est bien parti pour ce corner. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Le marché des transferts avec un défenseur, c'est maintenant officiel. Henrik Laporte a signé à Manchester United. Et voilà, fin de la telenovela. Tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Ouais, c'est bien récupéré ça. Des solutions en attaque là. Elle la frappe, attention! Corner et une opportunité de passer devant au score. Ça va vers le point de pénalty. Et c'est dégagé par la défense. Oui, la bonne passe. Le pressing pour empêcher la relance. Eh oui, le duel est remporté. Touche. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale, mais malheureusement le jeu, il est trop prévisible. Ça joue au petit trot. On est encore dans la salle d'attente. On patiente, on lit les journaux en attendant notre tour. Mais il faut mettre un peu plus de vertige dans les passes pour déséquilibrer leur adversaire. Eh, voyons ce que peut amener cette nouvelle séquence. Très bonne défense, sans faire de faute. Eh, l'option de la contre-attaque est possible.
C'était un contre bien tenté, mais ça a manqué de coordination et le ballon est perdu. Voilà une attaque qui progresse bien. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention parce que ça peut lui valoir des ennuis. Faute, et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Et un changement donc. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation, sans aucune difficulté pour le gardien. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Il y a du monde en soutien. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. C'est donné en retrait. Quelle intervention, elle est hyper importante. Possédé du ballon. Et une possibilité là pour centrer. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Et but ! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté. Le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. La pression qui monte, monte encore d'un cran en ce moment. Les supporters qui poussent derrière leur équipe. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Et il remporte son duel, bien défendu. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Le centre est détourné. Oh, l'égalisation peut-être. Et oui, le but. C'est jamais fini un match, ça se joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière occasion. La simplicité alliée à l'efficacité, ça donne une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. Le coach a explosé des joies. Rendez-vous chez le cardiologue. Que d'émotion dans ce match. Un nouveau rebondissement. Le scénario est vraiment fou. On se régale. C'est peut-être la dernière chance pour aller chercher ce petit but qui sera une délivrance.
Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Le coup de sifflet final, on va donc en rester là. Match nul, et donc pas de vainqueur, pas de célébration. On ne peut pas toujours finir avec le spectacle pyrotechnique, les pétards, les clashons, c'est du sport, pas le 14 juillet. Un match nul, ça ne vaut pas forcément dire un mauvais match. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Merci pour votre disponibilité.